Le Sénégal a le taux de séropositivité le moins élevé en Afrique, estimé à 0,7%. Si ce chiffre réjouit les autorités du pays, quant aux efforts fournis dans la lutte contre la pandémie, il ne met cependant pas à l'abri des stigmatisations de toutes sortes les personnes vivant avec le VIH. Séropositif depuis 8 ans, Habib réside à Mbao, à quelques kilomètres de Dakar. Son statut de personne vivant avec le VIH, il l'a toujours caché à son entourage. C'est quelque chose que c'est une maladie que si toutefois que les gens, la personne même qui t'aime bien, s'il entend seulement que vraiment tu vis avec cette maladie, il prend ça vraiment d'une manière que toi, bon, ça ne devait même pas se passer comme ça. Et vraiment, c'est pour cela moi aussi j'ai gardé vraiment la confidentialité vraiment de moi-même. Je ne l'ai pas dit que vraiment je vis jusqu'à maintenant. Seul que c'est ma sœur qui connaît que je vis avec cette maladie. C'est tout. C'était très difficile quand même. Bon, quand même, j'ai mes frères, des fois, bon, ils sont là. Et bon, quand ils ont entendu, je ne sais pas où ils ont entendu que je suis séropositif, vraiment, ils m'embêtaient jusqu'à vraiment, je vis difficile avec ma femme. Bon, je suis isolé. Je suis vraiment quitté même de leur entourage pour aller me vivre seul, pour mieux me distraire vraiment. La stigmatisation, le rejet et la crainte des autres, comment les surmonter? Ces questions, Habib ne se les pose plus car il a fait le choix de la vie et du combat. Bon, depuis que je suis venu de l'étranger, comme j'étais à l'étranger, bon, quand je suis de retour, je me suis dit que vraiment, comme quand je suis parti à l'hôpital, j'ai trouvé qu'il y avait une association de même que, qui vit de même que moi. Donc je suis rentré dans cette association vraiment. Et puis depuis que je suis rentré dans cette association aussi, je vois que vraiment ça m'a beaucoup aussi encouragé. Parce qu'à chaque fois que je l'ai vu, on est en train de partager. Et bon, c'est la personne qui vit la même que toi. La maladie qui vit la même maladie que toi, c'est souvent ces gens-là que tu peux partager avec, bon, mais pas les autres qui ne vivent pas avec cette maladie. Pour vivre sa maladie, il a trouvé du soutien dans une association rurale qui constitue désormais sa seconde famille. À quelques exceptions près, ils ont vécu les mêmes histoires. Que quand elle est enceinte, elle a remarqué, elle est allée à l'hôpital pour faire les visites prénatales. Et elle a une maladie tuberculeuse. Pour traiter cette tuberculeuse, la sage-femme a dit qu'il faut faire le test du VIH-SIDA. Quand elle a fait le test, la sage-femme a remarqué qu'il y a une trace sur son sang, la trace de VIH. Et elle a dit qu'il faut aller jusqu'aux 3 mois. Quand tu reviens, on doit faire un autre test pour voir réellement si c'est un virus ou pas. Quand elle allait il voir son mari boire des médicaments, et quand elle demande son mari qu'est-ce que c'est que ces médicaments, comment là, elle, son mari te répondre ce sont des médicaments qui traitent un syphilis. Je suis malade de syphilis, je prends ces médicaments. Pendant 3 mois, quand elle retourne, c'est la sage-femme. Quand la sage-femme a fait la consultation et fait un autre dépistage, elle constate qu'elle a le VIH du SIDA. Et elle a dit que elle a dit la sage-femme, mon mari boit ce médicament comme ça. Son mari a dit que c'est un syphilis que de traite. Et la sage-femme a demandé de convoquer son mari pour voir est-ce que son mari qui a transmis cette VIH avec elle. Sa réaction, elle a parlé avec son mari parce que son mari sait que elle a le VIH et elle a transmis le VIH à elle. Donc elle a discuté avec son mari calmement et on a parlé posément
que c'est lui qui a transmis cette maladie à elle. Dans le milieu rural au Sénégal, le VIH reste un sujet tabou. Mais l'association est confrontée à d'autres difficultés, dont la pauvreté des populations. La vie commence là. Les gens sont à la loi. Ils sont dans la loi. Ils sont dans la loi. Ils sont dans la loi. Ils sont sensibilisés. Ils sont dans la loi. Quand je suis dans l'association, je suis dans la loi. 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 Dafa am lo xamne dafa am nit ki mënut ne mukk damaay xéx ak doomu jangoro sida bi virus bi téné duma xéx ak ñak ndax gis nañ lu bari lo xamne tay ci fièvre bi xeyna ñak mo koy indi ndax amna ñu bari ñu nga xamne xeyna ñak fusionel ba yane dal seen kaw té du seen bëgg du seen yéene moy ñak mo leen ci soop parce que wolof néna ngor bala neex da ngay gor ci dara parce que as gor bu gorul ci dara bu ko yalla dimbali wu rek bu yagge mëna ko def kon loolu moy li nga xamne man nañ ne tay fofu la ALS djub moy yoon bi nga xamne fofu lañ jaar ba fi nga xamne fa lañ yag tay nak muy ñu ko xamne ñew bu kawé la par rapport ak fa nga xamne fa lañ jégué won ak fi ñu tollu tay. Ensemble, ils mènent des activités d'information et de sensibilisation sur la maladie, loin des légendes et des rumeurs de malédiction de marabout. Au Sénégal, les personnes vivant avec le VIH ont accès gratuitement au traitement. Leurs préoccupations demeurent le regard et le rejet de la société. Pourtant, il existe un dispositif juridique en la matière. Moi, en tant que militant des droits de l'homme, n'est-ce pas, il y a le gros problème de la stigmatisation et de la discrimination des personnes vivant avec le VIH. N'est-ce pas? C'est ça qui fait que, bien qu'on ait un cadre juridique, n'est-ce pas, qui puisse protéger les personnes vivant avec le VIH, on voit que le problème demeure dans la mesure où, comme c'est un problème qui est tabou, on n'en parle pas, on en parle peu. Mais c'est bien connu, parce qu'aujourd'hui, n'importe quel enfant, même du primaire, vous lui demandez que c'est le VIH, les modes de transmission, il vous les récite, n'est-ce pas? Mais les gros problèmes que nous avons actuellement, c'est au niveau de la stigmatisation de ces personnes. Aujourd'hui, nous avons au Sénégal une loi VIH. Donc, on a une loi VIH, mais jusqu'à présent, il y a des problèmes d'application. Pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau des cours de tribunaux, il n'y a pas d'affaires qui ont été présentées à leur niveau. Alors, le problème qui se pose est à deux niveaux. Nous avons, un, les victimes du fait du sujet tabou, donc qui ne saisissent pas les juridictions quand ces personnes sont victimes de discrimination, de stigmatisation. Deuxièmement, vous avez les organisations de défense des droits de l'homme aussi qui ne se saisissent pas de ces affaires pour les porter au niveau des cours de tribunaux. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour dire que, en fait, tout ça, c'est dû au fait que c'est un sujet qui est tabou. Et donc, ce sont des choses qu'on ne met pas sur la place publique et nous avons beaucoup de problèmes à ce niveau. Pour parvenir à ce changement de mentalité et de comportement, il faut intensifier la sensibilisation. Habib et tous ceux qui ont renoncé à la culpabilité ne souhaitent que tendre la main aux milliers de victimes que le sida a fait au Sénégal. Ensemble, ils seront plus forts. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.